Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo créative. Aujourd'hui, non pas un tuto, mais ma participation au Handmaster 2017, un concours organisé par Emeline de la chaîne Sergent Guimauve. Emeline, que je remercie pour tout le travail qu'elle fournit pour ce concours chaque année depuis plusieurs années. Le thème étant matière, je me suis un petit peu creusé la cervelle. Je pensais faire un simple bijou avec plusieurs effets de matière, histoire de participer, mais sans vraiment idée d'aller loin. Et puis, j'avais cette idée quand même qui me trottait de réaliser un rouet avec une petite mamie qui file la laine sur le rouet. Pourquoi? Parce que le rouet est un bois et que pour moi le bois est une matière noble. Voilà. Et puis donc je pensais que je n'étais pas capable. Du coup j'en ai parlé avec des copines qui m'ont encouragée à me lancer et je me suis lancée. J'ai eu très très peu de temps pour le faire parce que malheureusement je manque de temps pour ça. Mais j'ai réussi à finaliser mon projet et j'en suis super ravie. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas parce que je ne suis pas modeleuse habituellement, je fais plutôt des bijoux. Donc là, ma petite mamie a un visage pas très joli à mon goût. On peut faire beaucoup mieux, mais moi je ne sais pas encore faire. Il faudra peut-être que je m'entraîne. Sinon, pour le reste, je suis plutôt satisfaite et je peux dire que d'une certaine manière, j'ai déjà gagné... Pour avoir réalisé ce défi, donc pour m'être dépassée. Et en ça, je suis super contente de l'avoir réalisé. Voilà. Un rouet en bois vieilli, un sol en bois vieilli, un tabouret en bois vieilli, voilà, tout en bois, avec donc l'idée que le bois est une matière qui permet énormément de choses, donc qui permet de construire des maisons, qui permet de construire des objets qui nous facilitent le quotidien. Le rouet étant un objet qui aussi facilite le quotidien puisque ça permet de filer la laine. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas le tableau que j'ai réalisé. En tout cas, voilà ce que je vous propose aujourd'hui pour ce Handmaster. Donc je vais vous laisser avec c'est pas le tuto, c'est c'est la réalisation, mais c'est par petits épisodes. Chaque fois que je change de moment de réalisation, vous avez un petit changement sur l'image qui vous permet de voir que ben, ce n'est pas quelque chose de suivi. Il est difficile de passer 10 à 15 heures de travail sur 10 minutes de vidéo. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux pour vous proposer cette vidéo. J'espère que cette réalisation vous plaira, que ça vous, que ça vous fera plaisir de la regarder. Je vous remercie de me suivre. J'en profite pour remercier donc Emeline pour ce concours, ainsi que tous les membres de son jury et tous ses partenaires pour les lots. C'est toujours un très très beau concours. Je ne participe pas forcément pour gagner parce que je pense qu'au niveau modelage, je suis loin d'avoir le niveau. Par contre, je participe pour le défi que ça me permet de relever pour moi-même. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous laisse avec la fin de la vidéo.